Après notre escapade de 3 jours à Gili Travangan, nous voici de retour sur Lombok, à Kuta plus exactement. Nous avons rendu la voiture et récupéré notre chambre d'hôtel, nos bagages et nos scooters. Le programme de la journée, c'est activité aquatique, la découverte de nouvelles plages et petite soirée karaoké. Le surf et les autres sports similaires sont très pratiqués en Indonésie. Les côtes du sud de Lombok offrent des vagues très réputées pour tous les niveaux et tout au long de l'année. Contrairement à Bali, les plages y sont encore peu fréquentées, ce qui est en fait une destination idéale pour apprendre à surfer et profiter des vagues. Aux alentours de Kuta, deux spots sont parfaits pour les surfeurs débutants. Selong Blanak, à l'ouest de Kuta, un break de plage sablonneux idéal pour une première leçon, et ici où nous nous trouvons actuellement à Gerupuk, à l'est de Kuta, au large après un trajet en bateau. Bien surfer la vague. Ouais. Tu veux de l'aide? Viens par là, c'est mieux. Ok. Ouais, tu veux faire toi? Non. Ouais, yes. Toi, tu veux refaire? Il est encore. Ok, tu veux arrêter toi? Ouais. Ok, go, yes. Ouais, mais non, c'est plus moi. Après l'école, les enfants des villages Sazak sillonnent les plages pour essayer de ramener un peu d'argent à la famille en vendant aux touristes des bracelets, colliers et porte-clés faits main. Les adultes, quant à eux, vendent des sarongs. Le sarong est une pièce de tissu rectangulaire d'au moins 1 mètre de large. En Indonésie, les motifs les plus classiques sont constitués soit de lignes croisées, soit de carreaux. Son utilisation est très large, allant du vêtement que l'on porte chez soi pour être à l'aise à une tenue de cérémonie. Il peut aussi servir à porter des objets ou un bébé ou un jeune enfant en bandoulière. Ah, c'est le nouveau mot ça, open business. Les Sazak sont un peuple vivant reculé du reste de la population. Ils vivent d'élevage, d'agriculture et de confection artisanale. Ils ne parlent pas la même langue et sont c'est le matin à l'école, ils ont fini là. And you, where do you come from? Sad visage. Indonesian. Elles font les deux, hein. Elles vont à l'école et puis elles travaillent aussi. Hein. Dragon Boy. No. You buy in Kuta. Very expensive. Very, very much. Panas. Panas. No, it's okay. Pidak.
Switzerland. Do you know where is it? Yeah, in Switzerland. It's near France. Yes, it's a little country. The money, it's for you. It's for you, or it's for your father or your mother. Oh, it's mother. Grandmother. For your family. Ah, ok. C'est l'hymne national. Singing Indonesia. Ah, ok. Hello, this is Indonesia people. Ah, okay. Indonesia. Good. Good, good. Dari Sabang sampai Maroke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Good. Karaoke? Okay. Ini untuk makan. Je sais pas, du sable. Je vais te remettre à l'endroit. Bouge pas. Je prends les herbes avec. C'est mieux comme ça. Hein. Oh,
Les Indonésiens sont très accueillants et amicaux. À peine assis que certains viennent nous parler à tour de rôle et nous invitent à chanter avec eux. Ils aiment bien partager des expériences et sont très curieux. La plage de Selong Blanak s'étend sur environ un kilomètre de sable fin et presque blanc. Sur votre droite, vous pourrez pousser la promenade jusqu'au rocher noir qui coupe l'accès à deux petites baies successives. Entre les deux, le lagon est à vous, à perte de vue et particulièrement propice aux baignades, notamment avec des enfants. Par vent fort, les vagues peuvent être plus puissantes et les surfeurs plus présents. Cependant, on se rend surtout à Selong Blanak pour bronzer sur la plage ou barboter dans le lagon de faible profondeur. Sur la gauche se trouve un village de pêcheurs et leur bateau amarré. On peut manger sur place du bon poisson grillé. En fin d'après-midi, il n'est pas rare de voir des troupeaux de buffles rentrer à l'étable après avoir passé la journée à brouter dans les vastes prairies en friche. C'est vraiment lentement, c'est le coup. Hein.